Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ce privilège béni que tu nous donnes de pouvoir assister à ce service où nous allons te louer, t'adorons, Seigneur, et nous voulons que tu répandes sur chacun de nous les bénédictions de la communion, les bénédictions qui viennent aussi de nos prières. Que ton nom soit toujours béni. Et maintenant que nous allons entendre ta parole, ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour l'entendre, le voir et le recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voyez ce texte, aimer son prochain, le titre aimer son prochain, quel passage de la Bible vient dans votre esprit? Somya magambo yanditse hano, aimer son prochain, bishaka kuvuga ngo ukunda mugenzi wawe. Naya magambo muri Bibiliya ahita baza mu mutwe. Vous allez penser à vos passages que Jésus a dit que le plus grand commandement c'est que tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et la deuxième appel dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ntekereza yuko icyo twahita dutekereza twese ni amagambo Yesu Kristo yavuze ubwo yavugaga ngo itegeko riruta ayandi, ukunde Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ariko kandi akaza kurangiriza avuga ngo ariko ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Je voudrais vous dire que ce que Jésus a dit, c'était pas lui qui a inventé dans le Nouveau Testament, c'était des passages de l'Ancien Testament. Et j'aimerais que nous les lisions dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 6, les versets 5 et 6. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous vous souvenez, les gens, quand ils parlent de ce nouveau commandement, ces nouveaux commandements que Jésus dit, ils pensent que ça remplace les anciens commandements. Lorsque nous lisons le passage ici, Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu vas aussi observer les commandements que je te donne aujourd'hui. Ces nouveaux commandements, c'est le résumé des anciens. Dans Lévitique, l'autre partie, Lévitique chapitre 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. J'aimerais que nous gardions cela dans nos cœurs. Et je souligne ce point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui sont nos prochains?
J'ai regardé dans le dictionnaire, le mot prochain a comme racine. Quelle est la racine de ce mot prochain, d'après vous? Proche. Proche. Anga turimo turareba amagambo y'Igifaransa aho jambo mugenzi wawe cyangwa son proche rituruka bivuga mugenzi wawe ugendeye ku byo nkoranya amagambo y'Igifaransa ivuga ni umuntu wo hafi. Donc mes prochains ce sont les gens qui sont proches de moi. Ni ukuvuga rero yuko mugenzi wawe ari umuntu uri hafi yawe. Et les proches ce sont les membres de la famille. Kandi abari hafi yacu by'umwihariko nabo mu muryango wacu. Mais le mot proche va aussi vers les voisins. Ariko tukazirikana nanone ko abari hafi yacu bashobora no kuba bari abaturanyi. Et dans son sens général, le mot prochain inclut ces gens qui sont très proches de nous, nos voisins, nos amis. Mu magambo make rero ijambo mugenzi wawe rikubiyemo abo mu muryango wacu abaturanyi inshuti zacu abo bose batwegereye nos collègues de travail abo dukorana les jeunes et les enfants de mon école de nos frères bari abanyeshuri twigana ça inclut nos compatriotes bishobora nanone kuvuga abo duhuje igihugu le mot prochain veut dire semblables. Donc toutes les personnes qui sont autour de nous sont nos prochains. Et quel est le principe que nous devons observer dans nos relations avec nos prochains? Et là, je prends le passage que nous avons lu dans Romains 13, verset 10. Non, non, tu as l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il faut bien que nous comprenions ce passage. Il ne dit pas l'amour ne fait rien au prochain. Vous savez, c'est quoi le contraire du mot amour? Il y en a qui vont dire automatiquement. Oui, et c'est vrai, la haine. Il y a quelqu'un qui nous a dit l'autre jour, le contraire de l'amour, c'est l'orgueil. Mais il y a quelqu'un qui aussi a dit, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et l'indifférence ne fait tout simplement rien. Alors, quand je ne fais pas de mal à mon prochain, si je le prends littéralement comme ça, cela veut dire que je ne dois rien faire à mon prochain aussi. Je peux le traduire de cette manière. Du moment que je ne fais rien à mon prochain, eh bien, c'est bien. Mais est-ce que l'amour, c'est seulement ne pas faire du mal? Il y a aussi l'autre côté positif de l'amour. Qu'est-ce que vous faites à une personne que vous aimez? Si nous sommes frères et sœurs, vous êtes mes prochains, qu'est-ce que vous me faites? Si nous nous rencontrons, le minimum c'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est se saluer. Oui. Et si
ce sont des gens que nous ne connaissons pas, mais qui nous rencontrent et qui se regardent et qui nous regardent. Quel serait le bon geste que je pourrais faire à cette personne? Ariko tukabona twarebanye n'iki mu byukuri umutima wawe ngo guhamagarira gukora. Le sourire est déjà un geste d'amitié. Wa mwita mugira kwa kumbi tumaze gutoza. Le sourire ne doit pas être un sourire forcé, ni un sourire commercial, mais ce doit être un sourire sincère. Nous pouvons avoir un sourire, nous avons 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 un sourire. Mais en plus du sourire, en plus des salutations, qu'est-ce que je peux aussi faire pour montrer de l'amour à mes prochains? Urete noneho guseka niki kindi nakorera abagenzi banjye numva munze. Les aider. Kubafasha. Les soutenir du point de vue matériel s'ils en ont besoin. Kugira kubatera inkunga mu buryo bw'ubushobozi bw'ibyo bakeneye byaba amafaranga cyangwa ibindi bikoresho. Les encourager s'ils sont dans les besoins. Nanone hari ubwo umuntu aba acitse intege akeneye umukomeza, ubwo nabwo ni uburyo dushobora gufashamo bagenzi bacu dukunda. Aujourd'hui, je voudrais vous suggérer une autre expression d'amour que nous devons faire à nos prochains. Uyu munsi rero aragira ngo nanone atubwire ikindi kintu umuntu yagombye gukorera umuntu akunda. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que je voudrais que nous fassions à nos prochains? Et c'est un haut sur la petite fora. Mais j'ai cherché à vous trouver là. Dites. Mais on a une petite échelle de la chicoube. Ma suggestion, c'est que nous prions. Il y a des gens avec qui nous ne pouvons même pas parler. Mais si nous éprouvons de l'amour pour ces personnes-là, nous pouvons prier pour elles. Vous savez, dans certains pays, il est difficile de témoigner de Jésus sans avoir des problèmes avec les autorités locales. Mu bihugu bimwe na bimwe biragoye kuba ushobora gutanga ubuhamya bw'ibya Yesu bitaguteje ibibazo bigendanye n'ubuyobozi n'ibindi. Le Vietnam est un de ces pays. Igihugu cya Vietnam ni kimwe muri ibyo aho kuvuga Yesu Kristo bishobora kugukurira ingorane mu buryo bwa politiki. Les membres de l'église là-bas ont appris que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Particulièrement quand le peuple de Dieu s'unit dans la prière et le jeûne. Alors, dans une de ces villes vietnamiennes, où il y avait 4 millions d'habitants, une congrégation a décidé de prier pour les gens parce qu'ils n'arrivaient pas à aller directement leur parler de Jésus. Abantu babonaga nyine ko bidashoboka kujya kubwiriza abantu no kubabwira ibya Yesu bahitamo kujya babasengera. Au début, ils ont commencé à distribuer des matériels d'évangélisation. Batangiye rero batanga udutabo cyangwa se ibindi izindi nyandiko zifasha mu kubwiriza ubutumwa. Mais ils ont eu beaucoup de problèmes avec les autorités. Alors, ils ont continué à jeûner et à prier. Trente jours après cette séance de jeûne et de prière,
Il y avait un ancien commandant en Viet Cong qui est devenu un chef de bande de mafia dans la ville. Ce chef de bande-là était venu frapper à la porte du pasteur. Noneho hari umusirikare ukomeye ungabo bitagabye Viet Cong mu ntambara zarangije gihugu ubwo nyuma y'intambara yari yaragiye kuyobora agaco k'abagizi ba nabi gakomeye muri uwo mujyi maze aza gukomanga ku rugero kwa pastor. Il était bien connu pour sa méchanceté, par ses activités illégales de vente de drogue, de jeux et toutes sortes de mauvaises choses. Yarazwi rero yuko ari umuntu w'umugome cyane, ibyo yakoraga byari bizwi na bose, kuko yacuruzaga ibiyobyabwenge, yakoraga n'ibindi bikorwa by'urugomo byinshi. Il était surtout connu par son mépris à l'égard des chrétiens. Ikindi cyari kimuzwiho ni uko abakristo yabasuzuguraga cyane rwose. Il a frappé à la porte du pasteur, maze akomanga kwa pastoro. Le pasteur l'a tout de suite reconnu. Pastor est amené où aller? Il a eu peur. Puis le monsieur a sorti un des DVD qu'on a distribué. Puis il a dit, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Puis le pasteur a rassemblé ses forces, puis il a dit, oui, je sais bien. Alors il a dit, je veux en savoir plus. Alors le pasteur l'a fait entrer à la maison. Puis lui a donné des explications sur le DVD, sur le contenu. Puis le monsieur était intéressé. Et pendant quelques semaines, plusieurs semaines, ils se sont rencontrés régulièrement pour étudier la Bible. Et vous savez ce qui était passé? Il était convaincu de l'amour de Dieu et il a accepté Jésus pour son sauveur. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissous toute son organisation mafia. Il a fermé toutes ses affaires qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Alors, tout son gang a commencé à poser des questions. Et il leur a donné des explications. Et très vite, il y avait 40 de ces gangs-là, de ces gens-là, qui s'étaient convertis au christianisme. Et aujourd'hui, le groupe de ces ex-gangsters-là a grandi, ils sont actuellement à 200 membres. Et ils continuent à grandir. Et suite à cela, on n'a plus de problème avec les autorités. Mais les membres de cette congrégation se sont rendus compte que c'est un miracle. Mais ce miracle ne serait pas venu si le pasteur et les membres de son église n'ont pas prié et jeûné pendant un certain laps de temps. Ils ont mis de côté leurs différences et ils ont demandé à Dieu d'intervenir
dans leur ville. Bashize ku handi batandukanya maze bakamira imana bayisaba ngo igire igitangaza ikora mu mibereho yabo. Frères et sœurs, bene data n'abashyikirije, si la prière peut avoir de tels résultats, pourquoi ne prions-nous pas aussi ensemble? Non, mais c'est niba isengesho bishobora gukora gutanga umusaruro ungana n'icyo kwereka kitwebwe tudashobora kwihuriza hamwe ngo dusenge. Ces gens qui sont autour de nous ont aussi besoin de Jésus. Mais en ce moment, ils ne veulent rien savoir. Et si nous allons chez eux, ils ne veulent même pas que nous disions le nom de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pourquoi ne prions-nous pas? Et aujourd'hui, c'est une journée de jeûne et de prière. Jusqu'à présent, j'ai constaté que nous avons très peu de monde qui s'intéresse à ce genre de réunions de prière. Et même le jeudi, on a dû annuler les rencontres parce que les gens ne viennent pas. Tout le monde est occupé. Aujourd'hui, on nous a rappelé d'aimer nos prochains. Si nous ne pouvons pas aller chez eux, pourquoi ne pas prier pour eux? Nous ne pouvons pas aller chez eux. Et lorsque nous regardons ce qui s'est passé dans la Bible, en plus de la prière, le peuple de Dieu a aussi jeûné. Quand Dieu te voit encore, nous devons dire, nous avons encore une manière de faire ça. Nous ne gagnons pas la faveur de Dieu, ni la réponse à nos prières, ni notre salut par le jeûne. Et le jeûne ne remplace pas notre obéissance et notre consécration au Seigneur. Mais si nous cherchons le Seigneur avec l'humilité du cœur, et que nous mettons de côté les distractions terrestres pour un temps, y compris la nourriture, nous allons avoir un esprit plus réceptif sur ce que Dieu veut faire dans notre vie. Tuzabasha kubasha gutegera amatwi Imana mu mitima yacu kugira ngo tumenye icyo dukeneye mu buzima. Je ne vous oblige pas de jeûner aujourd'hui. Ntabwo ndi kubategeka ngo muze mwese kwiriza ubusa uyu munsi. Mais je vous invite à commencer par la prière. Icyakora ndabararikira nibura gutangirira kugusenga. Et savez-vous, nos prières seront plus efficaces si nous sommes en communion avec Dieu en réellement. Kandi amasengesho yacu azabasha gutanga umusaruro nyakuri ari uko tugiranye umubano wihariye n'Imana yacu. Nous avons dit que la prière est une conversation avec Dieu comme on fait avec un ami. Kandi twigira hamwe kenshi yuko isengesho ari ikiganiro tugirana n'Imana nk'uko umuntu aganira n'inshuti. Vous savez, les amis ne cessent pas de se parler. Iyo abantu bari inshuti ntabwo bajya babihuza kuganira. Et même pendant le sermon. Rimwe na rimwe niyo abantu bari kubwiriza abantu b'inshuti murabizi ko turyama kandi. Et je dirais, si nous sommes amis à Dieu, nous n'allons pas cesser de nous parler avec lui. Kubwibyo rero niba turi inshuti z'Imana ntabwo twagombye no kwerekana nanone guhora tuganira nayo. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous établissions une meilleure communication avec notre Dieu. Abarengira ngo duhereye uyu munsi
Et je vais aller plus loin. J'aimerais que nous établissions une communion avec notre Dieu. Et de cette manière, notre conversation sera plus efficace. Et savez-vous comment est-ce que nous allons établir cette communion avec Dieu? Nous avons aujourd'hui la cérémonie de l'ablution des pieds et la Sainte Cène. Nous appelons l'ensemble de cette cérémonie la communion. Cette cérémonie est le meilleur service pour établir une véritable communion avec notre Dieu. Et j'aimerais que nous lisions ce passage de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. Cette cérémonie. Amagambo yo mu bambere kwakoye igice cy'atumwe mu ngwa 16 avuga ku ifunguro ryera. Lorsque nous faisons la Sainte Cène, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons le pain qui est le symbole du corps du Christ. Nous prenons la coupe, c'est-à-dire le vin, qui est le symbole du sang du Christ. Et l'apôtre Paul nous dit dans ce passage de 1 Corinthiens 10, verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? En d'autres termes, ce service que nous allons avoir n'est-il pas la communion avec notre Dieu? Et si nous sommes en communion avec notre Dieu, nos prières seront plus efficaces, frères et sœurs. Nous vous invitons donc en ce moment à participer à ce service. Vous savez, tout le monde se rend compte actuellement que le temps est de plus en plus difficile. Et nous sommes tous conscients que nous nous approchons de la fin de l'histoire de cette terre. C'est une question de vie ou de mort. Et j'aimerais que nous prions comme Esther. J'aimerais que nous prions comme Daniel. J'aimerais que nous prions comme les apôtres. J'aimerais que nous prions pour nos prochains. Mais que nous prions aussi pour nous-mêmes, pour que nous ayons les caractères de véritables enfants de Dieu. J'ai lu des textes d'Ellen White ces derniers temps et j'étais en frisson quand j'ai lu un passage quand elle raconte la fin de l'histoire et que voilà, les élus s'en vont vers Dieu.
muminsi ishize yasomye cyane ibitabo bya Elena White maze aza gusoma ahantu mu by'ukuri hamuteye gutangara cyane abonye uko Elena White avuga imperuka y'isi avuga uko abakiranutsi bazagana aho bagenewe. Et là, il y a certains gens qui vont poser la question parce qu'ils n'auront pas le salut. Ils posent la question, mais pourquoi vous ne nous en aviez même pas parlé alors que nous étions tous ensemble sur la terre? Maze avuga ko hari abantu bazaba batabashije kumenya iby'agakiza maze bagahindukira bakareba bamwe muri twe bakavuga ati ko twabanaga mu isi kuki mutabitubwiye. Les amis, j'aimerais que les gens, quand Jésus va revenir, ils vont pouvoir dire c'était vous qui m'aviez invité ici. Mais pour que nous puissions entendre cela, il faut que dès maintenant nous commencions à prier pour ces gens qui ont besoin de salut. Et le Seigneur va nous ouvrir le chemin pour atteindre leur cœur. Icyakora kugira ngo amagambo nk'ayo tuzayumve birakwiye ko dutangira uyu munsi dusenga dusengera bariya abantu bose bakeneye agakiza kugira ngo Imana yacu irusheho twese kutwiteguza hamwe nabo. La Bible nous dit que la nuit vient et nous n'allons plus pouvoir rien faire. Bibiliya itubwira yuko isi yacu ivugana ku musozo ntabwo bishoboka ko twakomeza kugira igihe cyo kutagira icyo dukora. Mais aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de faire quelque chose. Alors, frères et sœurs, profitons de ce jour pour commencer à faire quelque chose de plus que ce que nous avons fait auparavant pour le Seigneur. Dukoreshe imbaraga zacu kurusha uko twazikoresheje mu gihe cyashize kuko isi imperuka y'isi iri bugufi. Adusenga Imana. Merci, ô notre Dieu, pour ta présence parmi nous. Merci de nous réveiller aujourd'hui, de nous faire sentir que nous avons besoin d'aimer davantage nos prochains. Et une première chose que nous pouvons faire, c'est de prier pour eux. Donne-nous, Seigneur, l'amour de la prière. Donne-nous la bonne volonté aussi de communier entre frères et sœurs pour prier. Et pour que notre prière soit exaucée de toi, aide-nous, Seigneur, à être en véritable communion avec toi. Nous allons procéder à cette communion, à cette ablution des pieds et la Sainte Cène. Et nous voulons que tu mettes ton esprit dans chacun de nos cœurs et que ce service soit pour chacun de nous une bénédiction et établir entre nous et toi, Seigneur, une réelle communion. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. On va tout de suite aller donc à la suite de notre programme qui est l'ablution des pieds. L'ablution des pieds. Bene data rero twese tugiye bita aka kanya dukurikizaho umuhango wo koza ibirenge. L'ablution des pieds est comme une suite du baptême. Koza ibirenge ni ko igikorwa gikurikira cyangwa umuhango ukurikira wo kubatizwa. Lors du baptême, nous nous sommes lavés le corps tout entier. Mais sur notre chemin, nos pieds se sont salis par les péchés. Et nous avons besoin de nous purifier de nouveau. Et c'est le sens de la blessure des pieds. Ni muri urwo rwego ko dukeneye gukomeza kwiyeza tugiye kozanya ibirenge. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, c'était pour leur montrer le comble de son amour. Yesu Kristo yozaga ibirenge by'intumwa ze kwari ukubereka urukundo rwe rwuzuye. Et lorsque nous allons nous laver les pieds les uns les autres aussi,
frères et sœurs, que ce soit aussi l'expression sincère de l'amour fraternel. Bibe mwanya wo kwereka abagenzi bacu urukundo rwa kivandimwe nyakuri. Nous invitons donc tous ceux qui ont déjà passé par le baptême de participer à cette ablution des pieds. Reka rero turarikire ababatijwe bose kutaza kusiba kuri uwo muhango. Comme le temps passe très vite, je demande à ce que nous allions tout de suite au sous-sol et que nous suivions les directives des diacres et diaconesses pour être droits de l'ablution. Juste avant de nous séparer, je vous invite à vous mettre debout et nous allons encore prier. Seigneur Jésus, tu as lavé les pieds de tes disciples. Tu leur as fait preuve de ton grand amour. Et en ce moment, alors que nous allons aussi nous laver les pieds, que nous sentions aussi ton amour pour nous, Seigneur, et que nous puissions exprimer aussi notre amour les uns pour les autres. Et que ce que nous faisons à notre frère à qui nous lavons le pied, c'est comme ce que nous ferons aussi à toute autre personne de notre communauté, de nos frères et sœurs. Assiste-nous donc pendant cette ablution de pied, et que ce ne soit pas tout simplement une routine trimestrielle, Seigneur, mais que ce soit le renouvellement de notre consécration à toi et la purification de notre vie par toi. En Jésus, nous te prions. Amen. Amen.